Moi, je suis déjà prête pour la demander à la plage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube encore une fois. Oui, c'est moi. Welcome back to my channel. Welcome back to my. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un try-on-haul avec la chaîne Nova parce qu'il y avait la vente 40 à 80%. Donc, j'en ai profité vu que l'été s'en vient. J'ai espoir que le confinement va finir. Donc, j'ai reçu mon paquet ce matin à 6h52 du matin. Et voici ce que j'ai commandé. Quand je vous dis que je suis ready pour l'été. On va commencer. Donc, je vais ouvrir la boîte devant vous. Je vous ai dit, j'ai reçu à 6h du matin. Il est comme 1h30 de l'après-midi. J'ai commandé des souliers. Ok, dans le fond, moi, j'ai commandé ma commande de Fashion Nova le 15 mai, puis je l'ai reçue le 29. Fait que ça a pris exactement 2 semaines environ pour avoir ma commande. Le total m'est revenu à 355 $ US, ce qui équivaut à... En tout cas, moi, ça m'a coûté 493 et quelques cents, donc canadiens. Donc, on commence. Ok, c'est lourd. Ok, le premier, je pense que c'était genre un romper, là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ce morceau, évidemment. Ça s'appelle le Buenos Aires Biker. Buenos Aires Biker. En tout cas, c'est un size medium. Girls becoming fat. Oh. Ok, next. Le prochain morceau que je vais essayer, c'est une robe en dentelle. Cette robe-là, c'est là, ça s'appelle Nayeli Lace Dress. Puis c'est dans la size medium. Donc, ça c'est comme... Hey girl, sorry miss, can I talk to you for a second? Non. Donc, sur 10, combien vous trouvez cette robe sur 10? Moi, je donnerais un 8 sur 10. J'ai commandé 1, 2, 3. Je pense 4 paires de jeans. Fait que je les ai essayé avec mon chandail qui n'est pas de Fashion Nova, non. Donc, le premier jeans que je vais essayer, c'est le Classic High Waist Skinny Jean. Dans la size 7. Donc, c'est ça. Essayons. Voici le jean. Wow. Ok, je suis contente, je suis satisfaite. En plus, ça donne la petite. Next. Invite only Raheem skinny jeans. Ces jeans-là, ils sont vraiment... Est-ce qu'il y a des poches? Ouais. Poches à fond. Vous voyez? Ils sont comme en place. Je suis vraiment satisfaite. Les jeans. En passant, toutes mes jeans, c'est dans la size 7. Donc, le prochain pantalon que je vais essayer, c'est Squat Like That Booty Lifting Jean. Donc, il paraît que c'est une 5 centimes de leur dash. Méchant dash. Méchant dash. Méchant. Ok. Ok, celui-là, il est ordinaire. Hein? C'est comme, j'ai rien à mettre, jamais ces jeans-là. Il y a des poches, j'ai même pas de vraies poches, puis ça, je les trouve bizarres. Anyways. Dis-moi, en plus, ça fait un petit défaut ici. Ouais. Tu sais, c'est vrai qu'on dirait que j'ai fait des squats là. Ouh! Qu'est-ce que vous en pensez de ces jeans-là? Moi, je les trouve. Correct. Passons au prochain. Ah, ok. Ça s'appelle Needing Something Jeans. Celui-là, je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Ça amincit la taille. Regardez, ils sont super longs.
Ah oui, je pense que c'est vrai. Oui, 9,5 sur 10. En plus, j'aime vraiment les détails ici. Donc voici les jeans que je donne à 9,8 sur 10. Là, j'ai terminé mes 4 paires de jeans. So, prochain, c'est un jumpsuit. J'aime beaucoup les jumpsuits, c'est simple. C'est un morceau puis t'as fini. Là. Moi, j'aime bien ça, bien rapide. So, ce jumpsuit qui s'appelle In the Cut Strip Jumpsuit. Ouais, ça fait vraiment épais. On va l'essayer. So, ce outfit-là, pour de vrai, si vous le regardez, j'ai approché de plus proche. Ouais, ce outfit-là, il est beau. Il n'y a pas de l'air symétrique parce qu'il s'est passé une péripétie. Bref, il y a quelque chose ici pour soutenir en métal qui est censé être là. Il est beau. Je l'aime. Il me va comme un gant. Si je me trompe, dites-le moi. Mais le mettre, ça, c'est attaché ensemble. Si tu mets ça avant, tu peux pas mettre ça. Si tu mets ça, tu peux pas mettre ça. C'est pour ça que je lui donne un 7 sur 10. Mais c'est non! 9,5 sur 10. I'm savage. Ok. Classy. Bougie. On va essayer le prochain morceau. Ça fait longtemps que je voulais essayer ça. C'est les soutiens là. C'est les soutiens comme ça. J'ai essayé ça. J'avais oublié un jeans rouge bourgogne. Je peux même pas dire le nom du jeans. Glistening jeans. Ah! Oh, le tissu est. Je sais même pas expliquer c'est quoi le tissu. C'est fait en fibre. Oh! Mais là, ça c'est un jumbo trou là. Voici le pantalon. Je l'ai pris vraiment plus à cause du trou là. Puis il me va super bien. Ouais, moi je suis satisfaite. Je suis vraiment satisfaite du jeans. Surtout les petits détails qui viennent dans le bas là. Puis les trous. En tout cas, jeans là, je donne un bon 9 sur 10. Je suis tellement satisfaite de tous mes achats. Tout mon panier au complet là. C'est un set qui fait vraiment été qui s'appelle Massy Tie Dye 27. J'aurais jamais pensé que j'aurais aimé celui-là, mais j'ai pas de morceau de cette couleur. Je sais pas, mais j'aime vraiment. Je suis vraiment satisfaite. Et vous, est-ce que vous l'aimez? Continuons. C'est vraiment une robe lisse que j'ai pris. Quand t'as rien à mettre sur toi rapidement, tu prends quelque chose de rapide. C'est simple, avec une petite veste en jeans. Ça va être super cute. C'est simple, mais tu peux la rendre cute comme tu mets des petits souliers Adidas, petite veste en jeans. Ça fait genre, je veux pas m'habiller, mais je veux m'habiller, tu comprends? Next, c'est une robe rouge. Puis cette robe-là, tu vas aller à la plage ou. Je parle de plage. Le confinement est même pas encore terminé, mais bref. Mettons que tu vas à la plage. Belle robe comme ça. Ouh. C'est pas vrai, c'est les sundress. Comment vous la trouvez? Quoi dans la size medium? Moi, j'aime. C'est pas pour vous, mais moi, j'adore. Next, encore une robe rouge qui s'appelle Call You Later Bodycon Mini Dress. So, mini, on va passer de long à mini. Je reviens. Bon, celle-là, j'aime pas à cause des bretelles. Vraiment, j'aime pas comment les bretelles font. On dirait qu'il y a un défaut. C'est bizarre. Mais sinon, j'aime pas bien. Ouais. Mais pas pire, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces robes? Next! Ça, c'est vraiment pas des morceaux ou du style que je mets dans ma main. Si vous avez remarqué, j'ai 3 robes noires. Fait que si j'apprends quelque chose d'autre, mais encore là, il y a du noir dessus. Mais, en tout cas, la robe s'appelle Endo with Care Mini Dress. Donc,
J'ai commandé un tape aussi. On va laisser ton cahier. Ok. So, après avoir mis le tape, si je bouge, le chandail, la robe, j'ai de la... Tout ça, c'est nouveau pour moi. C'est designer, je trouve ça puissant. Parce qu'il y a beaucoup de design, mais... J'ai l'air d'une autre femme, j'ai l'air d'un autre bail, j'ai l'air d'un autre style. Vous comprenez? I look like a $1 million bill. Or not. Ok, prochaine robe. Ok, j'ai commandé ça aussi, mais je vais pas faire de vidéo. Je vais pas vous montrer ça, c'est un petit genre personnel. Donc là, j'ai vraiment fini, ok? Fait que ce que je vais essayer, le reste, c'est pour la plage. Oui, j'ai encore espoir que... On aura un été 2020. J'ai essayé mes deux costumes de bain avec une robe de plage. Ça s'appelle Beach Day Crochet Swim Cover-Up. Donc, on va essayer ça en face. Je vais essayer le bikini Secret Code. Le, voilà, le cover avec le bikini. Ok, voici le cover up. Et on passe au prochain. So, pour finir, vous avez le dernier costume de bain. C'est Lifeguard Watching Cutout Swimsuit. Et on a les lunettes on the Daily Sunglasses. Que je vais essayer avec tout ça. Finir avec cette vidéo. So. Wow. Oh, ok. Not bad. Et pour finir. J'ai commandé des sandales aussi. Mais là, je remarque un petit détail qui me dérange. Mais en tout cas, un petit détail qui me dérange parce que je vois toute la colle ici. En tout cas, moi, je suis déjà prête pour la plage. À la plage, je sais. Oh! Ben voyons, ils sont en fait. En passant, les sandales sont vraiment faites petites. Si vous les commandez, prenez une sac plutôt. Sur ce, laissez-moi un petit commentaire. Puis moi. Je suis déjà prête pour la plage. Bizarre.